Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone. Un avion. Oh, gueule maintenant, ça suffit. On va présenter un drone avion, ok? Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour la première fois cette année, en fait, ma première revue de 2020. Donc, je tiens à vous souhaiter une très très bonne année. Il n'est pas trop tard. Donc, meilleurs vœux à tous. Voilà, profitez de vos proches cette année. Faites plein de choses. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2020. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drôle de petit appareil. Donc, cet appareil, donc, c'est le X450, donc de la société XK, issue de la société WL Toy, en fait. Voilà, donc cet appareil, en fait, est un drone, mais aussi un avion en même temps. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, je vais vous le présenter de façon rapide, en fait. Je vais vous le présenter surtout pour savoir si un débutant peut parfaitement avoir cet appareil en main. Voilà. Donc, ne vous attendez pas à des folies. Je ne pourrai pas le faire parce que cet appareil, en fait, je vous le dis, à un mode accro, hein. Et puis quand on le met en mode avion et en mode accro, on peut faire des acrobaties pas possibles. Donc je vous conseille, donc sur ce sujet, d'aller voir la vidéo de Taskiller85 qui a testé cet appareil. Si vous voulez voir un super vol, eh ben, vous allez voir sa vidéo, parce que moi j'en ferai sûrement pas autant. Voilà, donc je vous le présenterai surtout en mode drone sympathique et tout. Voilà, donc par contre, moi, ce que je vais faire, je vais vous le présenter, je vais vous présenter une chose, en fait, qui m'inquiète un peu, c'est quand on regarde la boîte et qu'on regarde les sites de vente, en fait, vous allez voir un très très bel appareil sur la boîte. Et quand on regarde la photo, qui est une magnifique photo numérisée, hein, très très truquée, on va dire, c'est quasiment presque un dessin, c'est un dessin je pense, et ben on croirait que l'appareil est fait en plastique comme un drone, et ça sur toutes les faces de la boîte. Donc et bien ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas du tout. Quand vous sortez l'appareil de la boîte, en fait, vous avez un appareil en polystyrène. Alors le mien est arrivé avec quelques petits petits accros justement dessus, donc j'ai été obligé de lui mettre un petit peu de scotch par exemple ici à l'arrière et tout. Donc on voit déjà que c'est pas réellement du très très costaud. Alors certes, vous avez tous les bras moteurs qui sont, et la structure qui va être en plastique, donc ça il n'y a pas de problème, mais toute la coque est en polystyrène. Voilà, donc faites très attention si vous achetez cet appareil. Donc déjà, vous savez à quoi vous en tenir quand vous le recevez, puisque je vous le dis. Donc c'est du polystyrène, hein, bien entendu, hein, c'est normal en fait, c'est pour qu'il soit très très léger. Et puis c'est souvent comme ça, hein, tous les avions d'ailleurs sont faits comme ça. Mais bon, voilà, si vous êtes débutant, faites très attention, ne volez pas avec cet appareil dans des endroits clos. Évitez d'être à l'intérieur, allez dans un grand champ où vous avez de l'espace, surtout si vous mettez le mode avion, donc avec le mode avion ça va partir beaucoup plus vite et tout. Donc je vous conseille déjà de l'essayer en mode drone tout simplement, et puis petit à petit, une fois que vous avez l'habitude, vous passerez en mode avion. Parce que si vous n'avez jamais piloté de drone avant et que vous achetez ça, vous risquez fort de le fracasser complètement, ce qui serait très très dommage, parce que bon, on voit bien que tout ceci peut très bien casser facilement, surtout à l'arrière, les ailes, les petites ailes et tout, les ailerons ici.
Voilà, hein, ça risque, il risque d'y avoir du dégât, donc faites très gaffe à ça. Hein. Voilà, donc cet appareil, donc il arrive, on le sort de la boîte, il arrive, il est tout prêt, il n'y a pas de problème. Il arrive avec la X8 de XK, donc la radiocommande X8, mais bon, adaptée à celui-ci, puisque les X8 sont aussi adaptés à d'autres drones, hein, le X380, le X500 et tout. Mais celui-ci, cette radio a été adaptée au IK450. Voilà, donc je vous la présenterai après. Ah, je ne sais plus comment faire, je la mets là. Le drone arrive avec une lipo, donc une lipo 3S 11V1 pardon, en 1000 mAh. Donc je me souviens plus réellement de l'autonomie. Je pense que ça sera de l'ordre de 10-12 minutes, je ne sais plus, je vous le marquerai dessous là. Voilà. Plus le chargeur, en fait, un petit chargeur tout simple, hein, avec l'adaptateur européen et tout, il n'y a pas de souci, la prise européenne. Vous avez, donc, c'est un tricoptère, hein, donc il n'y a que trois hélices. Donc il arrive avec trois hélices de rechange, une petite clé BTR, un petit tournevis, vous avez des petites vis, et puis une notice en anglais et en chinois. Voilà pour la première partie. Maintenant, on va parler un petit peu de notre appareil rapidement. Alors, cet appareil, donc ce XK450, donc, va pouvoir voler en mode drone classique. C'est-à-dire que vous allez décoller comme ceci, et vous allez voler comme un drone classique. Et puis, le plus fun dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir vous faire un mode, donc, carrément en vertical. Vous allez pouvoir voler comme ça aussi. C'est assez sympa, vous verrez ça. Et puis, vous allez pouvoir en faire un avion. Donc, le mode avion, donc, il va voler comme si vous faisiez voler un avion. Donc, les sticks sur la radiocommande seront changés et tout, et ça ne sera plus du tout pareil. Donc, ça ira beaucoup plus vite, ça ne sera pas du tout le même vol, ça glissera beaucoup plus comme un avion. Donc, il faudra faire très très attention, comme je vous le dis. Voilà. Donc, alors, ce drone, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, c'est un tricoptère, en fait. Et puis donc, quand le drone va voler en mode drone, il ne va pas se pencher ici. Hein. Vous savez qu'un drone, quand ça vole, en fait, voilà, la petite caméra se barre de ce petit drone. Hop, je la mets là. Quand un drone vole, en fait, pour avancer, il va se pencher. Vous avez les moteurs qui vont à l'avant, qui vont être moins puissant que les moteurs à l'arrière quand vous le faites avancer, en fait ça va se réguler, hein, c'est ce que je veux dire, et ça avance, voilà. Pareil, quand vous faites une translation, ça part comme ça, ça se penche. Celui-ci, par contre, ce qui va faire bouger le drone en lui-même, ce sont les moteurs qui vont s'incliner. L'avion-drone en lui-même va rester horizontal. Les moteurs, eux, vont se pencher, et puis donc, avec l'association des ailerons arrière, vous allez carrément vous allez avancer comme ça. Hein, ça ne va pas se pencher, mais c'est bien les moteurs qui se penchent. Voilà comment, sur ce drone, en fait, voilà comment ça avance. Donc c'est vraiment, ça n'est pas réellement une innovation, ça existait déjà, mais franchement, voilà, pour le prix où il est, il n'y a pas de souci, c'est vraiment sympa. Voilà, donc par contre, quand vous allez le mettre la fonction verticale, eh bien les moteurs, eux, vont carrément se mettre droit. Voilà, comme ceci. Celui-ci va s'arrêter automatiquement, et donc c'est ici que ça va se diriger avec l'action des ailerons en même temps. Et vous allez pouvoir piloter comme ça. Une fois que vous serez en mode avion, les moteurs, eux, vont rester comme ceci. Et ça va propulser l'air derrière, et donc ça va avancer, et aussi grâce à l'association des ailerons arrière, qui sont commandés par des petits cerveaux ici. Vous avez des petits axes partout ici, là, des petits cerveaux ici qui sont associés au moteur et qui vont engendrer en fait le vol correct comme un avion. Mais bon, bref, enfin vous avez compris, hein, on va pas commencer. Voilà, donc le XK450 pourrait accepter aussi, vous avez un petit support caméra, vous pouvez lui mettre une petite caméra FPV,
Alors, est-ce que c'est du Wi-Fi? Est-ce que c'est de l'analogique? Je ne sais pas. Si vous enlevez la trappe ici, on ne va pas le faire, mais vous verrez, il y a des petites prises ici pour brancher une petite caméra. Ça sera peut-être sur une version, une nouvelle version que XK lancera peut-être, je ne sais pas. On verra ça. Bref, voilà. Donc maintenant, ben, on a parlé du drone avion. C'est un drone d'avion. Hein. Je vais vous parler tout de suite de la radio. La radio de notre XK450, donc c'est une radio X8 comme je vous le disais, hein, elle a été adaptée pour le 450 en fait. Vous retrouvez donc à l'arrière un logement pour y mettre 6 piles AA, donc des LR06. Tac, voilà, vous avez une radio qui arrive en mode 2, donc vous pouvez la passer en mode 1. Avec ici, vous soulevez ici, il y a des petites vis à tourner, je sais pas trop quoi. J'ai pas regardé en fait, mais c'est expliqué dans la notice, en anglais bien entendu. Vous avez un bouton de commande ici, voilà, pour allumer la radio avec un voyant bleu là-haut. Un petit écran LCD avec les indications dessus, voilà. Vous retrouvez donc le stick des gaz, voilà. Donc là, je viens d'appairer, c'est comme si j'appairais le drone, c'est pour ça que vous avez entendu le petit bip. Voilà, le stick des gaz, donc montée et descente du drone, et puis rotation à droite, rotation à gauche. Ici, vous avez avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Voilà, en mode avion, ça ne sera pas quand vous mettrez votre drone en mode avion. Vous aurez les gaz ici et vous ferez monter le drone ici, avec le stick ici, il me semble. Vous retrouvez ici les 4 boutons de trim. Les trim, en fait, c'est vraiment un réglage fin, on va dire, de votre drone. Quand votre drone a tendance, par exemple, à... Vous n'allez pas bien voir, là, parce que j'ai pas un grand angle. Quand votre drone va se déplacer sur la droite tout le temps, vous êtes en mode stabilisé, il va se déplacer un peu sur la droite. Qu'est-ce que vous allez faire avec le trim ici? Le bouton de trim ici, vous allez le déplacer. Voilà, et on voit ici un petit... Ça se déplace ici, petit curseur. Voilà, et vous allez stabiliser votre drone. S'il se déplace trop à gauche, vous allez trimer à droite. Voilà, pour, quand vous entendez un bip neutre comme ça, un bip long, vous êtes au neutre. Si votre drone a tendance à avancer tout le temps un petit peu, alors que vous ne voulez pas qu'il avance, mais il a toujours tendance à avancer, vous allez trimer avec celui-ci ici, en arrière. Voilà. Voilà, là je l'ai remis au neutre. Essayez toujours de mettre vos trims au neutre. Ici vous avez, donc ça c'est le trim de translation, ça c'est les trims d'avance et de recul, ça c'est les trims de rotation, hein, quand vous, voilà, ce qu'on appelle le yo. S'il a toujours tendance à tourner un petit peu comme ça, sur la droite, vous allez trimer à gauche, voilà, on le voit ici, tac. Voilà, je le remets au neutre. Et ici, c'est les trims, en fait, de puissance. Hein, quand vous allez mettre des gaz à votre drone, que vous les arrêtez, les gaz, et puis que le drone a toujours tendance quand même, à, on voit qu'il a tendance à monter quand même, à mettre trop de gaz, vous allez trimer avec celui-ci qui est ici. Voilà, j'y arrive. Hein, je suis pas très... ça va pas très bien aujourd'hui. Bref, vous retrouvez quoi encore sur cette radiocommande? Vous avez les modes de vol qui sont ici. Alors, c'est difficile de filmer là. Les modes de vol, donc vous avez 3 modes de vol avec ce switch. Le mode, le M mode, donc là vous êtes en mode drone, tout simplement. Au milieu, vous avez 6G mode, vous vous retrouvez en mode avion. Et ici, le V mode, vous êtes en mode vertical. Donc faites très attention parce que pour passer en mode vertical, il ne faut pas vous mettre au milieu, vous vous retrouvez en mode avion. Donc quand vous êtes en mode drone et que vous voulez vous mettre en vertical, vous allez tout de suite en bas. Donc faites attention à ça. Voilà, vous retrouvez quoi encore? Vous retrouvez ici un bouton photo qui peut-être vous ferait prendre des photos si vous branchiez une caméra, ce qui n'est pas encore sûr. Ici, vous avez les vitesses. Vous avez un 100% et un 80%. Généralement, les X8 sont peut-être normalement paramétrables, mais là, je n'ai pas plus d'indications que ça. Et vous avez un bouton ici, take-off. Je ne suis pas sûr que ce bouton ait une action particulière sur ce drone-là. Et ici, vous avez ce bouton rouge donc, qui est pour passer quand vous êtes en mode...
avion au milieu. Vous appuyez là-dessus et vous vous retrouvez en mode accro. Donc ça, je ne vous le montrerai pas parce que j'en suis bien incapable. Voilà. Quand on ne sait pas, on ne fait pas, c'est tout. Voilà, donc passons à la mise en route. Donc, pour mettre en route votre drone, en fait, donc vous allez prendre votre batterie, vous allez charger environ une heure de temps, je pense. Hein. Donc vous avez un petit scratch ici. Vous enlevez le petit capot, tac. Hein, il vient se clipser avec un petit plastique ici. Vous avez une petite prise XT30. Un petit scratch qui est collé sur la batterie, donc vous allez la mettre ici, voilà. Vous allez déjà allumer votre radio. Alors faites attention d'être en M mode en haut, donc en mode drone. Vous allumez votre radio et vous branchez votre prise. Voilà, on a entendu un petit bip bip, vous l'aurez peut-être pas entendu réellement. Voilà, et vous allez remettre ceci. Donc le drone clignote, vous prenez votre radio en main, vous faites un haut bas, et là, les LED ne clignotent plus. Vous avez des LED bleus à droite et des LED rouges à gauche. Là, le drone est prêt à décoller, vous n'avez plus qu'à régler votre gyroscope. Le gyroscope, c'est ce qui fait qu'un drone reste bien horizontal, ne part pas n'importe comment en virevoltant dans tous les sens. La gyroscopie d'un drone, c'est ça. Donc pour régler le gyroscope, en fait, à chaque décollage, il faut le faire avant chaque décollage, vous allez mettre vos deux sticks en bas, à gauche, le drone se met à clignoter, vous lâchez tout, et là, votre drone est prêt à décoller tout simplement. Donc pour armer les moteurs, vous allez mettre vos deux sticks en bas, à l'extérieur, et là, vos trois moteurs se mettent en route et se coupent systématiquement. Voilà. Je recommence. Voilà. Ils se coupent, c'est normal. Je vais les mettre. Et là, je mets un peu de gaz. Dès que je mets un peu de gaz, en fait, ils ne se coupent plus. Là, vous êtes prêt à décoller. Je redescends. Pas de problème, ça se coupe. Voilà, donc je ne vais pas le faire voler ici. C'est dommage de le casser tout de suite. J'ai plus rien à dire, on va voir un petit peu ce que ça donne en mode stabilisé, hein, uniquement, dehors. Et puis voilà pour ce très très bel appareil. Donc si vous voulez voir un superbe vol avec des acrobaties et tout, y a plein de vidéos, mais je vous reconseille encore une fois d'aller voir celle de David Taskiller, Taskiller 85, qui a présenté ce drone il y a 2 mois environ. Et comme c'est un pilote réellement très très bon, et ben vous allez voir ce qu'il a fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, j'aurais pu l'envoyer à Ken Hutchinson aussi, qui m'aurait fait aussi du bon boulot. Alors ce que je ferai, je vais quand même vous faire un petit vol sympathique, je pense. Là, ça va être un peu difficile. J'essayerai d'y mettre une petite caméra, quelque chose ici, je ne sais pas. Peut-être une OnePa, j'en sais rien, je verrai. Je verrai ce que je ferai. Voilà, donc je vous montrerai donc un vol qui sera un vol pour les ultra débutants, savoir si réellement vous pourrez piloter ce truc ou si vaut peut-être mieux acheter un drone classique avant. Personnellement, ce n'est que mon avis, mais avant d'acheter cet engin-là ou en parallèle, achetez-vous un petit drone, n'importe quoi, un petit drone classique. Pour savoir un petit peu manier, parce que si vous venez à péter ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc, concernant les nouveautés qui vont arriver, donc, comme vous pouvez le voir à côté de moi, vous l'avez peut-être vu, voilà, vous avez un petit bolide ici, un petit truck, que je vous présenterai, donc, Ken Hutchinson, vous en a déjà présenté un, décidément, j'ai beaucoup de mal à parler. Il y a des jours comme ça, hein, je ne vais pas refaire la vidéo 50 fois, c'est bon. Donc, je vous présenterai cette voiture, en fait. Moi, elle m'a bien plu, j'ai dit, tiens, je vais me payer un petit bolide comme ça aussi. Donc, je l'ai acheté, je l'ai déjà testé un petit peu dehors. C'est correct, hein, c'est pas un énorme engin, mais bon, pour le prix, ça vaut 70€ environ. Ben, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc je vous présenterai ça, de temps en temps, je vous ferai une revue d'autres choses que les drones. On ne sait jamais si ça peut intéresser des gens, et puis nous, ça nous fait grandir un petit peu aussi sur la chaîne, il faut le dire.
Voilà, donc ceci, donc en préparation, je vous prépare aussi la revue du Upsan Xeno 2, que vous voyez à côté de moi. Par contre, les commandes, à chaque fois pour les nouveaux drones, c'est pareil, les commandes ont pris beaucoup de retard, donc à mon avis, ça sera plutôt début février, hein, je pense. Hein, voilà. Que dire de plus en nouveauté? Je vous présenterai aussi un petit drone moto que vous pouvez voir à côté. Donc bon, c'est assez sympathique. Et puis d'autres petits trucs là, voilà, que j'ai plus en tête, mais il y a des petits trucs sympathiques qui arriveront. Et puis Ken Hutchinson aussi vous présentera quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Donc eh bien, je vous souhaite à tous encore une fois une agréable année, une très très bonne année 2020. Et ben voilà, faites-vous plaisir. On sait qu'il y a des nouvelles réglementations, des nouvelles lois sur les drones qui vont arriver. En attendant, faites-vous plaisir quand même si vous voulez acheter un drone de 800 grammes, voire 1 kg. C'est pas grave, ça sera pas la mort non plus, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein, faites-vous plaisir surtout et faites très très attention parce qu'un drone reste toujours dangereux. Et c'est là-dessus que je vous dis salut. Voilà, donc avant d'aller sur le terrain, je vais vous montrer un tout petit peu comme ça ce que ça donne. Un petit engin comme ça. Donc je ne vais pas le faire, je vais pas le mettre en mode avion ici, hein, ça serait trop dangereux. Donc on va voir le mode drone. Donc vous mettez... Donc, ici en haut, et puis on va armer les moteurs, donc on règle le gyro, voilà, on arme les moteurs et on décolle. Voilà, donc il s'est arrêté. Voilà, là il est en mode drone. Alors il a tendance à se déplacer un petit peu, on voit, il part sur la gauche. Je le ramène là-bas. Voilà, donc on voit qu'il part un petit peu sur la gauche. Donc il a besoin un petit peu d'être trimé. Donc je vais trimer à droite. Alors je vais le ramener. Alors il a un maintien d'altitude, hein, bien entendu. Hein. Voilà, alors j'ai trimé sur la droite. On voit qu'il va un petit peu en arrière. Voilà, là il bouge pratiquement plus. Voilà. Là j'ai réglé les trims. Hein. Bien entendu, il est en mode drone là. Le moteur se penche. Je vais le ramener vers moi. Et donc, je vais donc le passer en vertical. Voilà. Il est en mode vertical.
On peut le déplacer, hein, bien entendu. Hein. Bon, c'est un peu spécial hein, quand même. C'est rigolo. Donc bien sûr, je suis en première vitesse. Hein. Si je passe la deuxième vitesse en verticale, bon, il n'y a pas grande différence. Hein. Voilà, donc ce qui peut arriver, c'est que vous atterrissiez un petit peu bizarrement. Donc vous risquez d'avoir quelques petits problèmes avec les moteurs ici, comme on peut le voir. Donc ce qu'il faut faire, il faut débrancher, vous n'avez pas le choix. Voilà, on débranche. Et on va remettre ça en place. Vous pouvez carrément les remettre à la main comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je rallume la radio. Voilà. Au bas. On remet ça en place. Voilà. Ça clignote plus, c'est bon. Alors bien entendu, réglage du gyro. Voilà, bon, on voit pas, mais bon, ça c'est mis réglé. Je suis en haut, je redécolle. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà. Donc on va laisser recharger la batterie maintenant. On va recharger la batterie et puis ben, je vous remontrerai un vol. Sur le terrain, peut-être avec une petite caméra, on va voir ce qu'on peut faire de sympathique avec ce petit engin. Franchement, il se pilote très très bien. En mode drone, c'est super sympa. On va le faire atterrir gentiment. Voilà, tout doucement. Voilà, il va s'arrêter. Voilà, parfait. Voilà, donc on va faire un petit essai sur le terrain. Alors, je suis un peu essoufflé. Alors, je lui ai mis une petite caméra. J'espère qu'il va pouvoir la soulever. Donc, je vais faire juste un essai. S'il ne peut pas la soulever, je l'enlèverai. Alors, j'enregistre directement. Comme ça, j'oublie pas. Je mets en route ma radio. Voilà, je connecte le drone. Voilà, allez, on va le poser comme ça, ça va le faire. Réglage du gyro. C'est parti. Il soulève. Donc en mode drone. Ça se passe pas mal. Bon, il est peut-être un peu déstabilisé avec la caméra. Hein. Voilà. Au niveau vos vidéos, je sais pas ce que ça donnera. Ah, je vais le passer en deuxième vitesse. Voilà, je suis à 100%. Un peu déstabilisé.
Oula. Alors je vais le remettre en première vitesse et je vais le passer en mode vertical. Bon là, la vidéo, vous allez voir le ciel, hein. Bon, c'est très difficile à piloter en fait, parce qu'avec la caméra, eh ben, ça le déstabilise beaucoup en fait, je vois ça. Donc je vais le repasser en mode drone. Voilà. Bah, il est pas si mal, hein, il tient pas si mal. Pour dire que il y a quand même 50 grammes dessus. Hein. Alors, est-ce que je tente de le passer en mode avion ? Là, j'ai crashé. Alors, je vais aller chercher. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le crash a été fatal. Donc, je déconseille fortement aux débutants d'acquérir ce drone ou alors ne le passez pas en mode avion. Donc, voilà le résultat de mon erreur, en fait. Donc, bah, avec la petite caméra dessus, ça a trop déstabilisé le drone en mode avion. J'ai pas pu le piloter, en fait. Et puis voilà ce qui est arrivé, donc il s'est crashé dans la terre pourtant, mais dans la terre ça lui a été fatal puisque le drone est complètement HS. Hein, voilà quoi, tout a cassé. Et bien c'en est donc fini pour mon XK 450. Voilà, bon, ben, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, c'est pas bon, voilà, mais bon, voilà. Vous, si vous mettez, bah, je sais plus le prix, mais bon, si vous mettez quand même un billet de 100 balles là-dedans, et puis que vous faites comme moi, en fait, et ben voilà. Donc, en fait, vous aurez tout eu hein, dans cette vidéo. Vous aurez vu comment ce drone peut voler. Donc, je vous redis, allez voir Taskiller qui le pilote très très bien et qui ne l'a pas cassé. Quant à moi, et ben voilà, voilà ce qui en reste. Donc c'est du polystyrène, ben voilà quoi. Donc je suis un peu déçu, mais bon, c'est la vie. Hein, on va positiver sur le sort de cet appareil. Donc il vole très très bien, mais faites attention. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. On commence bien l'année.